Alors? Ouais, mais non, enfin, ça pourra jamais devenir une épreuve sportive. Enfin, pour une fois que t'es bon à un truc, c'est dommage. Tu sais qu'au JO, ils veulent introduire la glissade ventrale sur gazon? La quoi? La glissade ventrale sur gazon, c'est un sport de dingue. En fait, les athlètes, ils doivent prendre leur élan, là, comme ça, ouais. Et ils doivent se jeter sur du gazon humide et glisser le plus loin possible. Non, mais n'importe quoi, t'as vu ça où? Là, sur Facebook, sur mon fil d'actu. Ah, ouais. Ouais, sur Facebook. Ouais, sur Facebook. Quoi? Et sinon, tu savais que pendant longtemps, au JO, il y avait des épreuves d'art? Non. Des épreuves d'art? Ouais. Il y avait des épreuves en architecture, en littérature, en peinture, en musique. En fait, les participants devaient présenter des œuvres inspirées du sport. Inspirées du sport? Ouais. En musique, genre, t'enregistres ton album à la salle, quoi. Sinon, t'as vu qu'à Rio, en 2016, il y avait 45% de participantes féminines? Ouais, bah c'est pas encore une mixité parfaite. Non, mais c'est déjà un sacré progrès, quand même. Ouais. À la création des jeux modernes, des coutumes de l'Antiquité sont abandonnées. Fini les combats sanglants, les jeux dédiés aux dieux et bienvenue aux autres. Avec les 245 athlètes venus de 14 pays différents. Pour Pierre de Coubertin, les Jeux Olympiques doivent être une compétition masculine. Les premières apparitions des femmes dans les stades olympiques datent de 1900. Et elles n'étaient que trois. Il faudra attendre l'entre-deux-guerres et l'action d'Alice Milla pour que les femmes commencent à trouver leur place au sein des délégations olympiques. Un vent de fraîcheur était là. Ouais, cependant, c'était pas tout rose non plus. À cette époque, les femmes participant aux Jeux se faisaient encore très rares. Les préjugés étaient très présents, comme par exemple sur la capacité des femmes, leur musculature, ou encore une supposée perte de fertilité due à la pratique du sport. En fait, on ne leur donnait accès qu'à certaines disciplines, comme le tennis ou le golf. Ah bah super! J'aurais fait quoi, moi, du coup? Heureusement, le vent souffle encore, et les choses continuent d'évoluer. C'est pas trop tôt. Aujourd'hui, les femmes ont toute leur place dans le monde sportif, et presque toutes les nations sont représentées aux Jeux. On a même vu apparaître à Rio, en 2016, l'équipe des réfugiés. Une équipe composée d'athlètes ne pouvant concourir sous le drapeau de leur pays d'origine. Ah, ça c'est courageux. Mais non! Il y a une nouvelle info qui vient de tomber sur Facebook. Ah ouais? Il paraît que t'es sélectionné pour le championnat de glissade sur gazon. Ah. Ah ok, je viens de comprendre en fait, c'est des fausses infos. Eh mais c'est trop drôle. Ouais, c'est trop drôle, ouais. Mais grave. Ah si, c'est drôle.